bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2 avec notre épisode 16. Comme d'habitude, prévoyez un casque ou des écouteurs, éteignez donc la lumière, profitez au maximum de la qualité de chaque rendu et kiffez. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça vous savez, ah, c'est mon petit péché mignon, ça fait toujours plaisir. Mais c'est le meilleur moyen de rendre entre guillemets l'appareil et de me faire kiffer tout simplement. Et grâce à vous, chaque vidéo, c'est quand même le top tendance, donc ça c'est cool. On avait une fumée avec une petite explosion. Donc il serait peut-être temps d'aller vérifier un petit peu ce qui se passe là-bas. Sachant que je vous rappelle, on a laissé Dina en arrière et on a trouvé des petites fléchettes entre-temps. Donc ça c'est plutôt cool. Solde d'automne, dès aujourd'hui, profitez d'offres exceptionnelles chez Rosemont. 25% de réduction sur tous vos achats sur remise de ce coupon. Et on ne peut pas le tourner, c'est juste une petite publicité. Un petit truc sympa à trouver, regardez-moi ça. On récupère tout évidemment. Oh, attendez, je suis au max vraiment là? Ah, mais en fait... C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu? Ok, j'ai cru entendre des bruits chelous venant d'une chambre ou autre. C'est très chelou. Attendez, on va faire un soin. J'ai... Oh putain, c'est des mouches. Oh, j'ai stressé de ouf. C'est des putains de mouches, je crois. Je crois que c'est des putains de mouches. Ah, c'était méga stressant en vrai. Parce que je croyais que c'était quelqu'un genre enfermé dans une chambre, tu sais, qui commençait à marmonner des petits trucs. Oh, une boîte de médoc, ça on va prendre évidemment. Allez, Yolanda, je suis désolé, je ne pourrai plus m'occuper d'Alfie. Tu avais raison au sujet des wolves. Finalement, ils sont encore pires que l'armée. Je ne m'attendais pas à ce que nos propres voisins se liguent contre un des leurs. Ils ont tous vu ce que les wolves ont fait à ma pauvre Sophia. Et... qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire après ça? Calmer le jeu? C'était mon droit de faire couler le sang des wolves. Ils auraient dû se joindre à moi. Au lieu de ça, ils ont complété contre moi. Alors, j'ai pris les devants. Je les ai empoisonnés, les uns après les autres. Pas assez pour les tuer, juste de quoi les endormir. Ensuite, je les ai traînés dans un garage rempli de spores. Uli s'est réveillé et on s'est battu. J'ai réussi à l'enfermer, mais il m'a mordu. Ces traits pourront assister à leur transformation. Ils vont souffrir. J'espère qu'ils penseront à moi quand ils commenceront à sombrer. Moi, ça a déjà commencé. Je n'en ai plus pour longtemps. J'espère que tu as trouvé un endroit où vivre en paix, loin de cette ville pourrie, et que tu ne verras pas tout ça. Si jamais tu reviens, pardonne-moi, Boris. C'est peut-être le garage qu'on a fait juste avant pour le coup. Alors, pour ceux qui... ne regarde pas mes lives sur Twitch, et c'est pas... j'en ai fait de la pub il y a pas très longtemps, qui plus est. Vous avez malheureusement loupé quelque chose d'incroyable dans le dernier Orcam, donc jeudi dernier. Et c'était la VF, la doubleuse de Ellie, qui est venue dans le Orcam, qui nous a accordé 2 ou 3 heures, et on a discuté. On lui a posé plein de questions, et c'était incroyable! Complètement malade! Il en a... Aïe! Ok, ça met des patates, ça me fait plaisir. C'est un combat, mano à mano, hop. Dégage. Non, là, c'est bon. Mano à mano, j'ai des limites. J'ai des putains de limites. Et toi, t'es un putain d'arc, mon pote. Ça va le faire. Alors là, pour tuer en silence, ça va être insane et je peux déjà faire des flèches. Et évidemment, j'ai largement de quoi en confectionner. Là, n'est pas le problème. Malheureusement, il manque 2-3 petits outils, mais on s'en sort très très bien. On a enfin l'arc et ça, j'ai envie de vous dire, j'achète. Arc et sniper. Ça me paraît pas mal, ça me paraît être un juste équilibre. Là on est pas... Ah, quoi que, en vrai c'est pompe et... c'est pompe et arc, mais les gars, les balles de pompe, c'est ultra rare en vrai. Hein. Donc comme je vous disais, voilà, dans le dernier Orcam, on a eu la doubleuse de Ellie. C'était incroyable, n'hésitez pas à aller voir l'Ardif sur ma chaîne Twitch, MRBboy45.
Et ceux qui n'étaient pas là, bah, ça va vous apprendre. Bah, il fallait être là. Voilà, parce qu'on a vécu un moment de rigolade, de fun. Et avec plein de questions très cool qui ont été posées et pas trop chiantes. Oh. C'est pas con comme façon d'utiliser les mannequins. Ça va le faire. Ok. Ça va swinguer, frérot. Vous pouvez récupérer votre flèche après un tir. J'assure toujours. Quoi ? Attendez. J'ai l'impression qu'il faut mettre un peu plus bas. Je crois qu'on est bon. En vrai, je crois qu'on est bon. On va tout récupérer. Mine de rien, parce que ça m'a coûté une blinde en création, tout ça. Je l'ai mis où ? Dans la cuisse. Ah ! D'accord, il y a quand même des flèches qui sont allées en bas et tout. En vrai, faut étudier la distance. Faut étudier la distance de ouf. Ah, y a pas que mes flèches, putain. Mince alors. Ok. Bon, regardez ce qu'on va faire. On va déjà se soigner. Parce que là, clairement, on a pris un petit peu notre part. On va pas se mentir. On va se soigner vite fait. Est-ce que je peux modifier quelque chose? Ça serait peut-être l'occasion d'en profiter, non? Dilé, 83. On est large. Au lieu de tuer les attaques. Ça, je l'ai déjà. Transforme les grenades incapacitantes en fumigène. Permet de ramper plus rapidement. C'est pas mal. Par contre, améliore la stabilité, ça, je trouve ça vraiment cool pour le coup. Et permet d'avancer plus rapidement tout en visant, je trouve ça aussi vraiment cool. Et c'est pas trop trop cher. En vrai, it's ok de ouf. On a pris, on s'est régalé. Let's go. Tiens, tiens, tiens. Hé, on a un autre intrus. C'est une fille. Est-ce que tu l'as vue? Je sais pas, mais l'autre est pas loin. Ah, merde. On cherche deux. Désolé, mais... Faut vraiment se débarrasser des chiens. Par contre, je pensais que... Oh putain. Non, viens pas vers moi, je veux pas te tuer. Aïe. Oh, oh. Crie pas, crie pas, crie pas, on souffre tous ici. Fais pas ça. Fais pas la bêtise. Arrête. Ok. Aïe. C'est donnant, donnant. C'est donnant, donnant. C'est le bon jeu. Hop, esquive. Oh putain, ça s'est pris ça. Merci à toi. Ok, on va faire attention. J'ai vraiment fait le fou pour le coup. Oh. Alors attendez. Il est où? Mais attendez, mais il est là-haut, ce petit con. On essaye? Viens là, sors. Ok. Ok, c'est chaud en vrai. J'ai voulu essayer, c'est grave chaud. Donc on va y aller à l'ancienne. C'est parfois autant efficace. Ouais, pas trop le choix. Pardon? Qui crie? Qui crie? Oui, j'aurais pu le faire discret, mais attendez les gars, oh, ça va, hein. Tout le monde est là pour souffrir aussi, hein. Le chien, il a bien brûlé, malheureusement, rip. Je me suis débarrassé du chien en premier parce que c'est quand même un enfer. On va passer par la maison. J'arrive pas à localiser où il est, j'ai cru entendre par là-bas, mais... Oh, bande de salauds. Tu es là. Il est sur le toit. Attends, mais c'est pas possible. Monsieur. Voyons, mais qu'est-ce que vous foutez là-haut? Ok. Ah ouais, non, c'est grand, d'accord. En fait, je peux carrément aller de l'autre côté, très bien. Bah oui. Bah oui, mais c'est clair. Comment elle a pu tirer? Elle est là, quelque part. Vous pouvez
quelque chose. Rien à signaler par là. Je ne vois pas de bout d'arc. Tais-toi. Qu'est-ce que tu veux ? Je l'ai vu, je crois. Merde ! Une barrière ! Je la vois ! Juste ! Hop ! Elle est là, derrière ! Ok. Vous inquiétez pas, pas de panique. J'ai l'air paniqué. Mais paniquez pas, putain, ok ? Où elle est passée ? Elle doit pas être... Ouais. Sors par là, petit. Désolé, madame. Très bien. Hop, petite esquive. Ces tendax de ouf. Ils sont combien, là, les gars? S'il vous plaît. Info sur le nombre. Un petit résultat pour faire plaisir. Ça chicote, hein. Je peux vous dire que je suis pas... Ouais, je donne toujours un petit côté serein de moi, tu vois, je suis en mode le gars un peu sûr et tout, mais pas du tout. Hein. Allez voir ailleurs. C'est pas fini, hein, il y a encore la musique. Je sais pas ce qui va se passer. Assez terrible. Oh. Ok. Bon. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre, parce que je peux vous dire que du matos, j'en ai besoin. J'en ai utilisé pas mal, en vrai. Ça, c'est pour aller dans l'autre partie. Quoi ? Attends, c'est pas vrai. Oh. Dans le mille. C'était pas mal, ça. C'était un très beau coup, je suis pas peu fier. Je suis pas peu fier, je veux pas paraître arrogant. Donc, je préfère fermer ma gueule. Mais c'était quand même saluer un peu le geste. Saluer un peu cette petite flèche inopinée, si je puis me permettre. Qui était plutôt pas trop dégueu. Et là, normalement, il n'y a plus personne. J'entends plus de musique, je crois. Je vais pas faire le gars trop sûr de lui non plus. Hop. Coucou ma grande. Mes couilles, hein. Ouais, tu vas pouvoir récupérer tes flèches. Mes grosses couilles, hein. Que dalle récupérer, hein. Que dalle. C'est pas grave. Allez. Hop, petite cascade, on va aller voir dans le garage. Normalement, c'est débarrassé de tout le monde. Ouais, je suis toujours plein en plus niveau mune, c'est plutôt cool. En vrai, on a plutôt bien géré. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, je prends, j'en ai besoin, c'est très très rare. Faut que je trouve des chiffons. Faut que je trouve des chiffons, ça commence à se faire rare. J'en ai besoin soit pour les soins, soit pour les molotovs. Et là, pour l'instant, voilà, suffisait de le demander. En vrai, suffit. Quoi? Ouais, mais non, mais soin d'abord quand même. Soin d'abord, ça on va le faire. Voilà, comme ça j'ai des bats qui one shot. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, 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 petit. Je t'ai vu. Je t'ai vu aussi. Allez, on continue. Les amis, je sais que je risque de me répéter, mais je trouve ce jeu dingue. Vraiment. Je suis toujours amoureux de jeu et je le serai toujours, je pense. Oh! Ah, mais c'est toutes les flèches que j'ai mis comme volos dans le mur. Ah, on a tenté des mauves. On a tenté des mauves. Est-ce que je dois être puni pour ça? Je ne pense pas. Ok. Hop, on passe par ici. En vrai, on aurait pu faire tout en full discrétion. C'est ça qui est cool, en fait. C'est-à-dire que en vrai, il y a une grave bonne rejouabilité du jeu. Alors, je vous cache pas que... Je rejouerai pas spécialement au jeu à cause de la tristesse de ce jeu, en fait. Hein. Vraiment, il est tellement sombre et rempli de haine
Déjà que je suis quelqu'un qui, des fois, bon, j'ai envie de faire des petites boucheries, hein, donc, jouer à un jeu comme ça, ouais, tu sors, t'es pas serein, tu vois, tu le fais 2-3 fois de suite, après, mentalement, t'es plus serein, t'es plus dedans, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, on sait jamais, ça va vite, hein, ces conneries. Ça va vite. Au moins, ça me fait rire. Hop, ça, on prend, ça, on prend. Mais le jeu, il est tellement triste que je sais même pas si j'aurai le courage de le refaire une autre fois. C'est vraiment parce que c'est vous. Mais j'aurais déjà rage quit après l'épisode 4, hein, en vrai. Hein. Ce jeu n'est qu'horreur, en fait. Ce jeu n'est qu'horreur. Il est horrible du début, à mon avis, jusqu'à la fin. Donc, non, j'aurais peut-être pas le courage de le faire 2-3 fois de suite, tu vois. Faut être... ouais, faut avoir des petits problèmes pour faire ça sans pression. On essaie vraiment de tout fouiller. Je suis sûr, vous croyez que je suis sûr que après, au pire, si tu veux faire le jeu, tu sautes les cinématiques et tout. Si tu veux pas souffrir une deuxième fois, tu vois. Ok, on peut ouvrir. Là, on se met bien. Là, on se met très très bien avec ces pièces. Alors, encore une fois, je peux passer à côté de certaines choses. Ça arrive, hein, c'est la vie, c'est comme ça, les amis. De toute façon, c'est le jeu map of Lucette. Mais je vais pas vous réexpliquer comment ça fonctionne, la vue d'un gamers et la vue d'un viewers. On va passer dans la salle de bain. Et peut-être encore un autre chiffon. Une chiffonnade. Oh, ça je prends. Ça je prends. On est pas mal. On est pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un lit bien crade. Une armoire, ouais. Peut-être encore une chiffonnade. Maintenant, j'ai que ça, mais c'est incroyable. Tout ce que je veux, je l'ai. Alors, il serait peut-être temps de faire des petits molotovs, dites voir. En vrai, on est très bien. On est très très bien. On va pas forcer. Un seul, ça suffira. C'était surtout pour tuer tuer le chien. Hop, petite cascade. Ok, on peut venir ici. Je suis où, là? Oh, je me souviens où je suis. Hop. Oh, les animations, vraiment, en cas de grosse chute ou autre. Ok. Ok, y a rien du tout. On se rapproche de la fumée, hein. Ça le fout, va. C'est pas vrai. On l'a trouvé. Par ici. Arrête! Vous arrêtez les chiens! J'aime pas tuer des chiens! Mais là, faut arrêter! Sors ta petite tête! Ah, je l'avais dit! Je suis énervé! Vous avez fait du mal à mon Joël! Hein? Dois-je vous le rappeler? Je ne pense pas! Je ne pense pas! Ok, ça, on prend. Non mais bon, ouais, B-Boy, essaye de faire un truc discret et tout. Est-ce qu'ils ont été discrets quand ils ont tué Joël? Bah je crois pas, moi. Ils l'ont arraché, putain. Ils ont eu aucune pitié, aucune discrétion. Ils ont fait ça devant moi. J'ai serré les dents, merde. Donc c'est normal, à charge de revanche, pardon. C'est normal que je découpe un peu tout le monde. Si vous voyez ce que je veux dire, non? Attends, bientôt ça va être de ma faute. Ouais, B-Boy, t'es pas assez discret. Tu pourrais faire des trucs de dingue. Non mais attendez. La dinguerie, c'est moi qui l'a subi, ok? Attendez, parce qu'on est où avec ces conneries là? Parce que je parle. Je papote. La fumée est où? Oh. On s'en rapproche. Ok. Attendez, en vrai, quand il y a un petit truc comme ça. Toujours des petits trucs là-dedans, non? Non, pas du tout. Dommage. Tant pis! Hop. Bon! On va fouiller. Oh, alors régalez-moi, s'il vous plaît. Je veux d'ailleurs une établie, ça serait pas mal. Oh, on peut passer par là. Très bien, ça. Mais ça revient exactement au même. Mais c'est très bien quand même. Faut le savoir, on peut le faire. Il y a vraiment beaucoup de chemin. Hop, on va faire un petit glissage, j'adore ça. On va s'allonger. Allons voir ce côté. Ouais, les êtes défenseurs, c'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'on rameute autant d'espoir pour un seul intrus? À cause de ce qui s'est passé à l'école et à la station télé. Je croyais que c'était les Scars, ça. Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Restons sur nos gardes. Il est là! Ils l'ont trouvé.
va les aider? Non. Pardon? On reste en route. Madame, je vais juste récupérer ma flèche. Ça me coûte une blinde, ces conneries. Ah. D'accord, en fait, je peux la récupérer uniquement... Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens quelque chose? Le chien pas très bien élevé, il protège pas plus que son premier. Tu vas crever! Oh putain, je l'avais pas vu elle, incroyable! Oh. Ah, je sais, ça fait mal. Ok, j'ai vu des gens qui font des combos incroyables sur le jeu. Ils jettent leurs briques, ils courent arracher quelqu'un, ensuite ils sautent sur quelqu'un d'autre, ils sortent son arc, bref, des véritables dingueries. Il y a des combos insane à faire, et ça, ça fait plaisir pour le coup. On essaiera d'en faire un de ces quatre quand on connaîtra bien une scène ou un endroit. Là, à chaque fois, c'est forcément que de la découverte, donc c'est compliqué, mais pourquoi pas relancer le jeu pour essayer de faire un combo genre méga stylé, ça serait cool. Ça serait cool. Ok, ça en prend aussi. Oh là là, on se régale ici. Hein. Ici, c'est que de la régalade. Hein. On pense quoi, un petit Ellie? Il y a des forceurs, c'est pas possible. Ouais, c'est pas grave, hein, c'est fait pour être utilisé. Hein. On se casse par où ici? Messieurs, dames? Attendez, peut-être par là, non? J'en ai aucune putain d'idée. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fous là, en fait? C'est totalement con. Ok, non, là, y a rien à faire. Non, c'est de l'autre côté, mais alors. Bougez pas. Ah, c'est par là. Bah oui, mais oui, c'est clair. La con... Eh, faut qu'ils arrêtent avec les chiens. Non, c'est bon. Ah si, c'est quoi tout ce bordel avec ces intrus? On a qu'à en choper un vivant pour un projet. Pas question. Faut pas prendre de risques. C'est pas vrai, hein. Hop. Terrible tout ce qui se passe là. Ah oui, tu l'as dit, Ellie. Terrible tout ce qui se passe. À quelle sauce je vais te cuisiner, mon grand? Ok, tu te caches. Allez, ça dégage. Terrible, hein, ce qui s'est passé. Ok, ça en prend. Il est temps de recharger à peu près toutes mes armes. Il y avait un cadavre ici, non? Je sais plus, je sais même plus qui je tue. Ouais, bah là on fait des véritables boucheries, hein. Là je crois que j'ai... On en parlait en tout début de jeu, mais là je crois qu'on a le record de kill. Ça y est, c'est fait. J'ai utilisé deux soins, ça m'a coûté un. Bon, ça coûtait cher ces conneries par contre. C'est pour ça que je déteste les chiens dans les jeux, en fait. Les chiens... Alors là, ça va, c'est pas des machines de guerre. Mais dans la plupart des jeux, vous ferez attention, les chiens, c'est des machines, vraiment. Des fois, intombables, increvables, ça insiste, avec 4 cartouches de pompe dans le corps. Heureusement que là, pour le coup, ça tombe plutôt vite, et ça, ça fait plaisir. Mais attention quand même.
attention quand même. J'aimerais bien faire un truc full discret, mais à chaque fois je suis surpris. Je les vois pas aussi près pour le coup. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est bon, ça a déjà été fait. Putain, mais c'est pas possible, mais Tommy, t'as branlé quoi? Ouais, on fait, hein. Les soins d'abord, hein. Ok. Très bien. Par ici, loin de la barrière! Vous abusez des bonnes choses, messieurs, dames. Vous abusez des bonnes choses. Ok. On peut pas y aller en plus, putain, c'est pas possible. Il te force juste à utiliser les balles. Enfumez-la ! Putain ! Ah ! Oh ! Oh ! D'autres qui veulent des chiffres? Aïe! Sors ta tête. Va me prendre pour un con. Hein. Ok! Il m'a fait tellement peur! Il m'a fait tellement peur! J'ai gardé mon arme un peu custom quand même, ça m'a coûté une blinde cette connerie. Y'a rien d'autre ici, bah voilà. Putain, j'ai perdu tellement de vie en vrai sur le move là. Oh, des bandes d'arcade, attendez, c'est quoi? Ça me dit rien, Street Fighter peut-être? Tekken Tournament. Ça c'est une parodie de Tekken. Patriot Wings. Ça doit être aussi une autre parodie. Ceux qu'ils ont, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai rien pris ma race gratuitement là. C'est horrible hein. Un intrus ici. Ah ouais, mais attendez, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des dingueries, les gars. J'ai peur. J'ai peur parce qu'en fait, c'est inesquivable, là. Il va y avoir des dingueries. Cascade! Allez, allez! Ne laissez pas s'enfuir! C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe, putain? Cascade! Oh, j'ai fait peur. Chut, faut arrêter ça. C'est Tommy! Tommy le bro! Tu peux me dire ce que tu fous là? C'est pas Tommy! Comme si j'allais vous laisser partir seul. Jesse. Oui, Dina. Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Déployez-vous! Elle est partie par là! Oh putain, ils sont nombreux. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va aller. Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Ok. Alors, non. Hey, pas de conneries, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a une intrusion. Je prends celui. Peut-être un intrus. Allez, suis-moi. Je te couvre. Ah,
Mais écoute que tu prends celui de gauche, frérot. Dors. Putain, non. Oh. Aïe. C'est bon, sniper meilleure arme du jeu, hein. Une fois les dégâts augmentés, mon frérot, y'a plus personne, hein. Ça parle diverses langues et variées. J'ai les clés. Oh, on y va. Monte. Ouais. Monte par où? Ok, c'est bon. Vas-y, on prend ton temps, frérot, hein. Voilà, ça dégage. Ça va, gros? Fais gaffe. C'est pas vrai. Faut viser les pneus. Hop. Ça c'est... Allez, vas-y. J'ai de ma butte. Ok. Aïe. Ok, j'ai pas trop de choix. Oh, pardon, excusez-moi. Ok. Je recharge. Et deux. Allez, ta tête, c'est bon. Attention. Attention. S'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve demain pour la suite de notre incroyable aventure. À demain tout le monde. Bisous tout le monde. Ciao ciao. Dina. Salut. Salut Dina. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose un peu. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais, allez, viens. Doucement. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligée de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand de Jackson? Un jour après vous. Mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Ça gère pas un peu? Il a fait semblant de dormir.
pourrais pas simplement lui faire un cadeau? Non, c'est des excuses qu'elle fait. Non? Tout va bien? Ouais, ça va. Ok.